Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe. Donc chers amis, dans le précédent épisode nous avons pu trouver finir une quête qui nous a simplement donné l'accès à la tech donc de corps, donc celle qui influe sur notre corps entier, donc de résistance aux radiations. Par conséquent, ça veut dire qu'on peut se rendre sur une planète de type radioactive, voilà. En l'occurrence, on va partir sur une planète, je vais dire, celle-ci, au level de radiation. Après tout, on est là pour ça, chers amis. Pour ce faire, on va aller voir notre ami Sail, Show Me My Tex, un plan et un Radiation Protection. Voilà. Unlock Tech. D'accord. Blank Tech Drive, mais je sais pas comment qu'on les... Est-ce qu'on doit les fabriquer? Oui, on doit les fabriquer. Ah bah voilà. On en a une, on avait dit qu'on devait aller voir justement, chers amis. Il me semble que j'en ai un paquet, des trucs comme ça, moi. Voilà, Blank Tech Drive, j'en ai un paquet, effectivement. Tech Drive, voilà. Bon. Alors, Body, Energy Dash, ici on a Bouncy, donc Bouncy c'est pas hyper important. On va prendre ça, et on va prendre ça. On le sélecte. Et celui-ci aussi. Parfait. Ben voilà, je savais bien qu'on avait des choses, chers amis. Hop. Voilà, c'est réglé. Donc, avant de se faire, chers amis, on va quand même se rendre à notre poste. Hein. Vous me connaissez. J'aime bien être sûr de ce que je fais. On n'a pas de quête actuellement, c'est pour ça autant y aller, franchement. En espérant qu'on n'ait pas à me dire « Ah, il faut que tu retournes sur la planète de type machin. Ah, c'était avant, ça. » Tiens, ben, en bas, il y a une quête, par exemple. Hop. Oh là là, c'est laggy. Durasteel Armor. Non, pour ça c'est bon, il faut être sur une planète de type radioactive. Je regarde s'il y a personne d'autre. Normalement, à mon avis, il n'y a personne d'autre. Exact. Donc, il faudra qu'on fasse le grappin. On a plein de choses à faire avant de faire le prochain donjon, chers amis. Ce qui en a un sens et pas si mal d'avoir autant de choses à faire. On doit aussi récupérer des diamants, il me semble, pour faire ce vaisseau niveau 3 ou classe 3. Classe 2, classe 3, je sais plus. Classe 2. Classe 2, je crois. Juste pour voir, on peut demander. Hein. Let's talk. Voilà. Il nous faut 4 upgrade modules. D'accord. J'en ai actuellement combien? Ah oui, j'en ai qu'un. Exact. Exact, exact. Ok, bon, bah on descend, chers amis. Après tout, on y va. Autant y aller, franchement. Alors. Hello there. Alors, bim. Bim. Ah. Voilà. On va faire un peu plus gros parce que on a des gros paquets, nous, chers amis. Hop. Le drapeau. Voilà, et moi j'y vois une fusée, chers amis. Qu'aviez-vous en tête? Bah voilà, une bonne chose. Enfin bon, du cuivre, voilà quoi. Bon. Au niveau de l'armement, ça a pas l'air trop mal. Du poison, du poison, chers amis. Toujours aussi dangereux. Ah, je peux pas le prendre le reste. Ok, tant pis. Allons-y. Là non plus, il n'en reste pas suffisamment. Tant pis. Je vois un coffre en dessous. Non, un coffre que je n'ai pas, il me semble en plus. Oula, arrête d'être excité. 15, 6, 60. Celui-là fait 12. Bon, bah, il est mieux que le mien déjà. Hop. Pod chest. Peut-être que j'en ai un en fait. Intéressant. Oh, joli.
Alors niveau cadence de tir, c'est pas top, hein. Niveau de précision, c'est pas top non plus, autant faut l'avouer. Ok, ça c'est bon. Bon. On va reprendre la bonne vieille épée, ça va peut-être être plus efficace. Ah ah. Ok, on est bon. Comme d'habitude, on évite de casser un petit peu le truc en question. Alors. Oh. La hitbox, chers amis. Oh, toi, tu seras violent, toi. Wouah, il m'a pissé un arc-en-ciel. Le salaud. Oh, c'est nouveau, ça. Ça, je ne me rappelle pas. Ça, je prends. Là, il y avait un petit peu de truc dedans. Hop. Ça aussi, je prends. Ça aussi. J'aime ce genre de nouveautés, chers amis. C'est pas vivant du tout, mais ça a le mérite d'être présent, on va dire, entre guillemets. Alors, là, c'est pas bon. Il va me falloir de la corde, hein. Voilà, il va falloir que je fasse le grapp. Oh, j'y crois pas. Hop. Ah, mais je suis con, j'ai le double saut. Pas. Je gaspille ces trucs, moi. Ça va pas. What? T'es violent, toi. Je t'aurais cru un peu plus sympathique. Un canard. Non, mais oh. Oh le canard, tu me respectes? Alors. C'est très joli, très piégeux, très piégeux. Très. Oui, c'est une espèce de mini piège quoi, pour peu que tu sautes trop haut en faisant un double jump. Oula, on l'a vu le coffre, n'inquiétez pas. Oh. J'ai la plus belle tête du monde. Par contre, on a un truc d'amélioration, c'est bien. Oula, oui c'était drôlement plat d'un seul coup, je me dis. Casse-toi. Oh putain. Donc, comme vous voyez, on a directement pas le niveau d'équipement. Raté. Touché. Ah. Oh. Voilà, respecte mon autorité. Avec beaucoup de difficultés, mais il la respecte. Hop. Hop. Ils vont me faire mal. Mais leurs armes font tellement plus de dégâts. J'ai failli mourir. Blabla. On va partir dans l'autre sens, chers amis. Bon. En plus il fait nuit maintenant, bah oui, forcément. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dégage avec ton arc. Putain, ton arc-en-ciel m'a fait hyper mal. Ouh. Chance ou pas chance? Chance. Olé. Oh, des couilles. Ah non, je croyais que c'était des couilles. What? Oh, t'es moche, toi. Non, t'es moche. Dégage. Un biome flèche, oh trop cool. What? Putain, mais il est tellement gazeux comme mec qui pète des bulles. Littéralement. Oh, couché.
Oh, carrément, un biome flèche maintenant. Alors, intéressant. On va dire que c'est intéressant. Ok, dégage, voilà, parfait, merci. Ah, ça nous facilite bien la vie en tout cas. Dégage. Je rêve ou ça consomme pas d'énergie? Parce que si c'est le cas, c'est carrément cool, hein. Wow! C'est quoi ça? Il y a un coffre au fond! Human Anatomy Mask. Ouh! C'est glauque, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. 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 Là je vais le virer. Alors je réserve pas encore pour vous chers amis, simplement parce que comme il y aura le serveur, je pense qu'on pourra vous, il y en aura beaucoup plus qui vont se les donner. Ah bah voilà, comme ça c'est cool. Alors c'était quoi? C'est un human anatomy shirt. Ah oui d'accord, non, il y a que la tête qui change en fait. Oui, c'est assez logique. Oh, je suis tellement sexé chers amis. Croyez que la version féminine elle a des boobs? C'est pourquoi j'ai pensé à ça direct. Non, fuyez pauvre fou. Fuyez pauvre fou. Et Majesty Kikwin. Kikwin, Kikwin, Kikwin. Il a encore pété. Putain, il a failli me tuer aussi, surtout. Il va nous falloir du Durasteel, chers amis. Donc, par conséquent, il faudra voir comment on en fait. Oh, intéressant. Glauque, mais intéressant. Alors. Là, il y aurait bien un coffre aussi, là, non? Non? Oh, vous êtes pas sympas, les mecs, là. Bon, bah, tant pis. J'aurais tenté ma chance. C'est quoi qui tombe? Ça m'inquiète. Tout ça pour ça. Ok, tout ça pour ça aussi, c'est génial. Oups, oula. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, deux diamants. Ça, j'ai. Ça, c'est le Apex. Ok, ça, c'est bon. Ça aussi. Ah, je me suis bouffé sa bubule. Oula, vous l'avez vu comme moi. Ok, on a encore pris des dégâts sans raison apparente. Enfin, justement, non, justement au contraire. Enfin, sans trop le vouloir, on va dire. Voilà, on va s'arrêter là. Hop, on va chercher plus loin. Oula. Hello there. Putain. De piaf. Sager, sager. Alors. Parmi ceux qui voulaient des astuces, absolument, chers amis. Bah, comme vous pouvez le voir, un excellent moyen de gagner du temps durant nos sauts. Quand vous avez ces deux techs réunis.
Voilà. Ce qui vous fait gagner, je trouve, moi, en vitesse. Hein. Je sais pas vous. Je pense que oui. Essayez de les combiner. Donc c'est un peu. Au départ, c'est un peu tricky de l'avoir. Puis après, ça vient tout seul. Surtout que maintenant, ça coûte rien, apparemment, ce qui est cool. Ah ah ! Un donjon. Ah bah, vous savez quoi, on va le tenter, chers amis. On va le tenter pour la simple et bonne raison que c'est un donjon Floran. Oulala. Oulala. Oui, ça commence très mal déjà. Et surtout, qui a des laves dedans? What? On va pas le tenter parce qu'ils nous ont fait super mal. Et là, je ne parle pas de... Aïe. Je pensais qu'on avait le droit au double saut, mais non. Parce que j'avais déjà utilisé avant. Bon. Durastil, c'est comment déjà? Tiens, c'est marrant, c'est pas là. Peut-être là, le Durastil. Non. C'est là? Non. Bah, c'est où, le Durastil? Ah, ah, ah. Aurais-je chié dans la colle, chers amis. Manipulateur module. Oui, j'ai déjà 4 diamants, je vais les garder quand même. Hein. J'en ai pas des masses. Ah oui, il me faut ça. Exact. Oui, je vais plutôt aller les chercher. Alors, est-ce qu'ils sont dans ce truc-là? Non, est-ce qu'ils sont dans celui-là? Oui. Alors, glace bloc 10 et silver bar 10. Je vais voir ce qu'il faut là, voilà. Et glace bloc 10 aussi. Hop. Alors, voici, chers amis, la nouvelle... le nouveau four, en fait, tout simplement. Hop. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà le nouveau four en fait du jeu, vous voyez, qui permet de créer de la Durastil Bar, tout simplement. Donc à base d'argent, ce qui m'intrigue. Mais bon, pourquoi pas. J'avais oublié que c'était ça, dis donc. Hop. Du coup, grâce à ça, chers amis, on devrait être en mesure de fabriquer ceci, mais on n'a pas ce qu'il faut. Il va nous falloir un peu plus d'argent. Littéralement d'argent, du minerai d'argent. On va aller voir si on peut pas, par exemple, aller voir directement notre ami là. Le vendeur de minerai, pardon. Je vais y arriver. Donc là, l'argent, par exemple, il me prend 120. Si j'en veux 10, ça me coûte 1200. Pourquoi pas? On remonte sur le vaisseau. Hop. Vous allez comprendre tout de suite. Alors qu'est-ce qui me manque encore? Le fameux processeur. Non, c'est pas celui-là. Pourquoi j'ai pas les mêmes trucs qu'avant? J'ai l'impression de pas avoir les mêmes qu'avant, ça m'intrigue. Si c'est ça, normalement, lui reste... Ah oui, mais je peux pas le faire parce que je l'ai pas... Ah oui. Je suis trop con. Hop. Crac. Réplicateur. Et voici en fait notre nouvelle... on va appeler ça notre nouvelle enclume. Pour ça qu'elle en a un petit peu la forme, chers amis. Faut chercher un petit peu, mais on peut retrouver un petit peu le principe de l'enclume avec un pied et un truc plus large en haut. Tout simplement. Et donc, on trouve les différentes nouveautés. Avec les différentes nouvelles armures, surtout. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il va nous falloir aller farmer maintenant de l'argent. Pour ce faire, on descend sur la planète. Même si on n'en a pas fait le tour, c'est pas grave. On va pouvoir en trouver de façon... Oh bah tiens,
On a de la chance en plus. Ouais, enfin bon, vis-à-vis de ce qu'il y a dedans, on en a pas des masses. Allons-y. Comme d'habitude, on va essayer de creuser le moins possible. Je sais que certains d'entre vous ont entendu crever le moins possible, mais ça c'est difficile. Alors, hop. Hop là, voilà. On va pouvoir utiliser peut-être un petit peu, je pense qu'on en a quelques-uns de toute manière, de flair. Voilà. Vous allez, je pense, aimer ça, chers amis. Ok. Ok. Alors, il ne supporte pas de prendre le moindre dégât. Les flairs. Si je ne me trompe pas. Oh, un coffre en bois ou en cuivre? En bois. Alors, par là, on trouve un petit peu de titanium. Souvent, quand il y a du titanium quelque part, on peut trouver un peu mieux autour. Vous entendez comme moi le bruit bizarre, là? Alors, c'est tout nouveau pour moi aussi. Ah, d'accord. Hop. Ah, mince! Putain, on a failli mourir encore une fois, là, chers amis. J'étais stressé. What? Attendez, il vient de me tirer du minerai sur la gueule là. C'était du platinium. Ou du titanium, je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, on y va. Challenge Portal Room. Et normalement, avec les textes, ça devrait être beaucoup plus facile. Sauf si le jeu prend ça en compte, évidemment. Ok. Ok, bah bien sûr, on est dans Mario maintenant, ça y est, c'est décidé. Alors ça, sachez que ça vous tue instantanément. Ça vous tue instantanément, chers amis. Elles sont cassables? Non, du tout. Ah bah d'accord. Ce moment là est très très pute hein. J'aurais dû me baisser, j'étais tout con. Mais bon, c'est pas grave, on y retourne. On peut y retourner normalement, on doit pouvoir y retourner hein. Si on retrouve bien notre chemin, on y retourne. Je regarde quelle heure il est, parce qu'il y a pas l'air d'être l'heure de mettre aux épisodes en ligne, chers amis. Ok, on y va. Ok, ça c'est fait. Ça aussi. Là, on s'est fait très très mal. On s'est fait extrêmement mal. Et en plus, avec un peu de bol, on a perdu notre chemin. C'est pas grave. On va progresser. Non, ça me dit quelque chose cet endroit-là. Parfait. Ah bah, elle a disparu. D'accord, donc c'est qu'un seul essai. Ah mince. D'accord, je ne les récupère pas. C'est ce que je voulais voir. C'était trop beau pour être vrai. Ah bah, elle est juste à côté par contre. Ah non, non, me tue pas. Fou putain.
Vivement cette armure Endura Steel, chers amis. Je vois de l'argent tout autour de la porte. Béni soient les dieux. Les dieux d'automobile, hein. Comme Chum, je deviens comme Chum en fait. Alors, est-ce que je peux par exemple casser ce qu'il y a derrière la porte? Ok, cool, on y va. Non, il manque encore les deux là. Voilà, on y va. Challenge portal. Allons-y. Oh, mais c'est qu'on a déjà fait ça. Oui, c'est ce qu'on a déjà fait, ça. Hop, ça va ouvrir le passage là-haut. Oui, enfin bon, ça m'empêche pas de me prendre des dégâts. Hop, on va se heal un petit peu. C'est pas le bon jour pour mourir, comme dirait l'autre. What? Putain, mais il y a un bonus ici. Pour peu qu'on ait la tech, une tech particulière, chers amis. Ah, intéressant. 24, oui, d'accord. Donc la mienne fait 21, c'est à peine mieux. Par contre, on a un accordéon avec, ça c'est cool. Pas récupérer le coffre, dommage. Trop beau pour être vrai. Voyons voir. Un petit peu plus d'argent, c'est cool. On va essayer de remonter un petit peu, chers amis. Quoique non, il nous faut encore un peu plus de tout ça. Surtout principalement de l'argent apparemment. Je vais pouvoir me faire par exemple le grappin. Vous voyez à quel point c'est utile maintenant. Pour peu qu'on ait des principes stupides comme moi, c'est utile. Alors allons-y, cherchons un petit peu d'argent. J'en vois un petit peu ici. Parfait. Je vois un petit peu de platinium, de titanium ici. Il faut que j'arrête de me planter. Alors, hop. Un coffre. Il m'a bel et bien touché, le salaud. Alors, il paraît que ces biomes souterrains flèches sont pas top. Enfin, pas top. Tout est relatif, vous me direz. Mais il paraît qu'ils sont assez bordéliques à regarder dedans. Effectivement, je le remarque. Alors, ici, on a un petit peu d'argent. Ici aussi. Si on en a un petit peu aussi. Hop là, on en a pas, mais bon, je prends le titanium, on va y arriver du premier coup. Ok. Là, on en a un petit peu aussi. On profite. Alors, ici, on a un petit peu d'argent supplémentaire.
Si on peut se faire par exemple notre armure, chers amis, puis notre grappin, peut-être un petit peu d'armement, suivant ce qu'on aura, ça pourrait être cool. Alors. Blah, rototo. Que d'élégance, chers amis, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes tous aussi, au moins aussi dégueulasses que moi, de toute manière, donc bon. Tant que vous faites pas de conneries pendant que vous regardez mes vidéos, ça va. Puis je veux pas savoir, si jamais vous en faites, je veux pas savoir, me dites rien. Hop. Alors. Dans la mine, vous l'aviez attendu celui-là, je suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là! Fou, j'ai eu très 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 peur à cause du lag. Vilain lag. Ouais, non, je vais pas aller par là, ça vaut pas le coup. Ah mais il me suit jusqu'au bout, hein, par contre, lui. Hein. Lui, me tuer, c'est l'objectif final de sa vie, quoi. C'est. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tuer Marcus. Mais encore, tuer Marcus. D'accord. Mais sinon, tu es Marcus, d'accord. Et sinon, tu es Marcus. Non, je voulais savoir ce que tu voulais à McDo. Ah, du Marcus. Petit bout de Marcus. Fait toujours du bien. Bon! Alors, du diams, ça fait du bien par où ça passe. Encore faut-il arriver à le casser. Parfait. Wouhou! C'est le jackpot, chers amis! Heureusement qu'on perd pas nos objets quand on meurt dans cette partie. C'est possible, hein, y a des parties, des personnes qui peuvent le faire. Moi, je suis pas fan. Puis d'un point de vue pratique, c'est au niveau des enregistrements. Par exemple, je peux mourir par exemple, une fois de temps en temps, par exemple, pour remonter, quoi, s'il faut. Mais c'est génial par là. C'est le paradis par là. Regardez-moi la quantité d'argent que j'ai ici. Ok, ça s'est fait. Petit peu d'argent, un petit peu d'or là-bas, j'ai cru voir. Si on peut continuer à descendre, ce serait cool. Bon, tant pis. Ça ressemble à un cul-de-sac. Continuons à descendre. C'est que cet épisode commence à être long en plus. Alors. Oh, je vais mourir si je m'attaque à lui comme ça. Wouhou! Oh, ça s'est pas passé loin. Non! Putain, sale bête. Bon, on va descendre en ligne droite, toujours. Hein. Vous connaissez l'astuce. Alors. Que se cache-t-il sous la couche de terre numéro 12? Rien du tout, que de la terre. Et encore de la terre. Enfin, là, pour la peine, c'est de la roche. Ouh. Non. Arrière. Arrière. J'ai cru voir un bout de diamant ici. Oui. On le prend.
Merci. Hop. Tu n'auras pas le temps de m'attaquer. Non. J'ai disparu. Alors, qu'est-ce... Oh là là. Oh là là. Oh, encore une fois, il y a un coffre avec la boule. Ça n'a pas été trop dur. Ça va. Ça aussi. Hop là. Bah ça va au final. Ah ça gèle les ennemis, ça peut être cool. C'est une short hein. Short sword à 21. Celle-là fait 16, bah voilà, ça répond à ma question. Ça c'est un pistolet qui fait 14, je le laisse. Ça par contre je prends. Voilà, et on sort. Je suis curieux de voir ce que ça fait de geler un ennemi. Ça va pas dans ma tête, ça va pas dans ma tête. Deux diamants. Et non, je crois que c'en était d'autres là. Alors. À moi les diamants, à moi les diamants. Ah, Dorpy, apparemment le jeu ne veut pas me les donner. Du coup, je vais les prendre quand même. Enfin, en partie. Hop. On va voir la lave arriver, ça va finir comme ça, chers amis. Et vlaf ! Ça tombe bien, j'ai déjà plus de peau. Moi ! Plus de peau, pas de chance, tout ça. Vous voyez le truc ? Hop. Oh. Intéressant. Deux autres là-bas. Peut-être me payer l'amélioration du matériel manipulateur en fait. J'écris en revoir là. Même si c'est que un par un, je m'en fous, je l'ai vu. Arkia, je l'ai vu. Là, il y en a un paquet d'ailleurs. Oui, bah je pensais que ça allait les congeler genre de manière drôle, mais en fait non, ça les ralentit peut-être une demi-seconde en fait. Pourquoi pas. 4 diamants supplémentaires. Que demande le peuple? Alors, qu'est-ce qu'on a par là? 2 diamants supplémentaires. Ah si, mais je suis à la limite de pas pouvoir les prendre, ça c'est cool. Merci le jeu de me les avoir laissés. Hop. Non, je crois que c'en était, mais non. Là, ça c'est du charbon. Ça fait tout drôle de retrouver du charbon à cette hauteur. Juste pour voir. Pas moyen de passer. Hein. Access denied, voilà. Parfait, 2 diamants supplémentaires. What? Le mec il a les météores de Pégase quoi. Les... Oh non! C'est un cul-de-sac! Technique de la fuite! C'est l'heure de la fuite! Oh! On a bien fait de fuir par là. Oh non, c'est que les trucs que j'ai déjà. Bon! Cet épisode devient extrêmement long, chers amis. Ah puis, en plus, c'est clos, ce truc-là.
Le mec il est rentré, il a tout bouché derrière lui. Oh, un coffre. Ça prendra, tiens. Oh, on a bien fait d'aller le prendre. Oui, bah on va descendre là, écoute. Hein. Plus j'ai envie de finir l'épisode, plus il me propose de choses, le jeu, c'est cool. Ah là, vous allez en avoir eu du Starborn, hein, pour le coup. Ok, pirate pants. Ok. Oh, j'ai plein de trucs sur moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez arrêter de me faire chier. Ah, mes mails, arrêtez de vous actualiser. Pas mes merdes, hein, mes mails. Soyons un peu polis sur cette chaîne, chers amis. Bon, est-ce qu'on peut continuer à descendre et essayer de trouver le fion et essayer de trouver de crever dans le fion? Trouver un moyen de crever dans le fion. De par le fion ou dans le fion, je sais pas encore. Les deux doivent être possibles, remarque. Oula. Non. Putain. Voilà. Je la joue safe. Hein. Rien par là. J'ai dit que je la jouais safe et il me pond ça, le jeu. C'est sale. Non, dégage. Oui, j'ai pu le tuer avant. Oui. Un biome slime, chers amis. C'est génial. Plus j'avance dans le jeu, plus il essaie de me faire rester ici. Ok, c'est cool. Et puis c'est pas un faux, hein. C'est un vrai biome slime. Hop, laisse-moi passer. Je suis pas dans le bon sens, génial. Ah là là. Non. Oh putain. J'ai cru voir ma mort venir. Bim, bah voilà, comme ça c'est clair. J'avais complètement zappé qu'il avait ça. Oh putain. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Abonnez-vous, likez la vidéo, rejoignez le groupe Steam si vous le souhaitez. Dans le vous retrouverez l'adresse IP du serveur. C'était Marcus Bonus une fois de plus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Que je fasse une outro quand même potable.